Emmanuel, un grand bravo, on peut dire que c'est une entrée totalement réussie dans le tournoi. Bah ouais, je suis assez content. Voilà, je suis dans, on va dire, la bonne dynamique de mes semaines précédentes. Donc je suis content de m'en être sorti aujourd'hui avec les conditions un petit peu spéciales, on va dire, avec beaucoup de vent et un petit peu de pluie par-ci par-là. Et non, ouais, je suis très content. Et puis voilà, on verra qui joue au prochain tour et quand. Ça se voit, écoute, ça se voit sur ton visage. Tu as de quoi être content. Tu as gagné à Prague, tu as gagné à Angers. Ouais. Tu surfes justement sur cette dynamique très positive. Ça doit faire aussi du bien de scorer sur un tournoi du Grand Chelem comme Roland Garros. Bah ouais, ouais, surtout que ça fait beaucoup de bien, on va dire. Maintenant, voilà, je suis dans ma continuité, quoi. J'essaye de ne pas faire plus, pas moins. J'essaye de rester vraiment dans ce que je fais bien depuis les dernières semaines. Voilà, j'ai des hauts et des bas, mais d'avoir un niveau de jeu assez constant. Et pour l'instant, ça tient, donc voilà. Là, quel est l'objectif sur un tournoi comme Roland-Garros? C'est quoi? C'est step by step, comme tu dis, sur la continuité, tu ne te projettes pas, tu continues? Parce que là, on est quand même dans des conditions, certes, un petit peu difficiles, mais des conditions quand même qui ont l'air de bien te convenir. Ouais, bah c'est step by step. Voilà, on va pas aller plus vite que la musique. Pour l'instant, j'ai gagné mon premier match. J'ai un deuxième match à faire qui va être aussi très compliqué. Donc voilà, mais maintenant, j'ai bien travaillé avant. Donc voilà, je suis un peu, enfin, je suis dans la continuité. Voilà, de ce que j'ai fait, je me répète, mais je sais pas. C'est tellement, comment dire? C'est tellement ce qui me caractérise depuis un mois que voilà, j'ai que ça en tête. J'essaye de toujours faire ce que je sais très bien faire et voilà, ça paye ici et j'espère que ça continuera à payer. Bah, écoute, je te souhaite que ça continue de payer et puis on se retrouve après ton prochain tour, après la prochaine victoire. Plein de bonnes choses. On croise les doigts, ouais. Merci.